Pennsylvanie, qui aurait pensé à chercher dans un endroit pareil. Il faut combien de temps pour venir retrouver les sauvages de Manhattan? Il faut que je voie avec Sam, mais je crois qu'on peut être là mardi. Ça fait un bail. 2 ans. 2 ans. Tu veux que je te dise, Martin, ici c'est le milieu de nulle part. Et là, j'en ai assez. Je suis content de te voir. Sam, tu peux t'arrêter une minute? Qu'est-ce qui se passe? Martin a trouvé quelque chose. Où ça? Où est-ce qu'on l'a trouvé? En Pennsylvanie. On pensait qu'il était dans le Maine. Ils l'ont transporté. Très loin. Et maintenant? La pierre est ici, Ask. Il est ici. Il n'y a plus que nous deux, Lars. Il est temps que tu me dises où tu as caché cette femme. Au revoir, Ackstrom. Mon petit, je t'en prie, Jacob. Tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mon grand-père est malade, c'est tout ce que je sais. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le sache. Ton oncle et moi, c'est une longue histoire, tu vois. Une longue histoire, à croire à des bêtises qui pourraient bien te coûter la vie. Des bêtises qui te donnent des cauchemars la nuit. À force d'écouter vos histoires toute ma vie, oui, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu t'es jamais demandé, Jacob, si tu rêvais des histoires que nous t'avons racontées, ou si nous t'avons raconté les histoires pour t'expliquer tes rêves?
Son commanditaire a téléphoné. Ne me dis pas que c'est ce soir. C'est ce soir, patron. Ne me dis pas que je dois y aller. Tu dois y aller. Tu fais partie du comité. Il y aura les tarés habituels, je suppose. Oui, je serai sûrement la seule personne que je ne connaisse pas encore. C'est une sacrée trouvaille, hein? C'est toute ma raison de vivre. Pas génial. Toute l'avant-garde intellectuelle est venue en masse pour construire la baraque et récolter des fonds pour une galerie d'art contemporain. Qu'est-ce que tu en dis, Martin? Très jolie boucle d'oreille. Pareil que t'as fait une découverte de taille. Métaphoriquement parlant, bien sûr. Je doute que tes lecteurs trouvent ça aussi intéressant qu'une bande de siphonnés qui sortent $1000 par tête pour jouer les vandales. On sait jamais. Tu me feras voir. Hein. Je te donnerai une bonne place dans mon article. Lester, je dois dire que tu me tentes. Mais je te remercie. J'ai entendu dire que t'avais eu des petits problèmes d'ascenseur. À très bientôt en première page, Lester. Pourquoi? Si le contraire de malhonnête est honnête, le contraire de maussade devrait être sale, non? Pourquoi les cafards meurent-ils toujours les pattes en l'air? Laisse-moi réfléchir. Pourquoi les araignées ont 8 pattes et les scorpions seulement 6? Ah, je sais pas. C'est alors vraiment Tu crois que ça suffira? À quoi? Eh bien, Martin essaye de prouver que l'Amérique a été découverte par les Vikings. Les Nordiques, plus exactement. Et ce n'est pas une question de preuve, c'est une question de datation au carbone. Vikings, Nordiques, il y a une différence? Paraît que ce vieux Sam est foudrage. Ah oui, ça fait 2 ans qu'il fout tout le nord-est et ce truc nous tombe tout cuit entre les mains. Entre vos mains? Martin, c'est ce que je veux dire. On est tous membres égaux du comité, n'est-ce pas, Martin? Et au fait, comment va Marla? Elle avait l'air en forme. Pour quelqu'un qui vient de passer 2 ans dans une roulotte. Oui, j'ai eu l'occasion de voir son mari. Je crois qu'il y a des situations moins enviables que d'être coincé dans une roulotte avec un homme comme ça. Est-ce que tu veux encore du vin, chérie? Il faut que j'en aie pour mon argent. Depuis quand vous vous promenez la nuit, Axstrom? Est-ce que vous avez seulement une idée de ce que vous venez de trouver? Je crois, oui. La pierre unique vous promettra beaucoup de choses.
Elle sait ce que vous désirez le plus. Surtout, n'écoutez pas ce qu'elle va vous dire. Ekstrom, c'est une pierre. Vous comprenez, c'est une pierre. Je n'ai pas l'habitude de parler aux pierres, c'est votre spécialité, ça, non? Mais vous avez toujours pensé du mal de moi. Moins que vous ne le méritez. J'en ai marre de m'entendre traiter de cinglé par des gens comme vous. Ce soir, je sais que c'est moi qui serai le moins cinglé de vous tous. Qu'est-ce que tu veux? Sûr qu'il a dit des caractères d'origine nordique? Oui, mais oui, 6e siècle. C'est pas si longtemps que ça. Pas si longtemps? De quoi tu parles? De toi et de Martin. Oh, ça, mais enfin, c'était il y a 2 ans, c'est fini. Et il a raté son coup. Précise ta pensée. Pour lire les caractères, les runes. Oui, c'est vrai. Il m'a parlé d'oxydation sur les caractères. Est-ce que tu es drôle? Tout excité pour quelques petits signes gravés sur un caillou. Et qui remonte sans doute à une religion que personne ne comprend plus et que tout le monde a oubliée. Et tu préférerais qu'on ait trouvé une douzaine de nobles sauvages gravés avec des zigounettes de 50 cm en érection? La seule chose qui ait duré plus longtemps que la religion, c'est la pornographie. Il faut que je trouve des gros mots préhistoriques. Tu as un problème? Tu as l'air un peu... Bizarre, oui, je le suis. C'est parce que j'ai peur d'arriver à New York et de me rendre compte que c'est toujours pareil. De quoi as-tu peur? De toute façon, tu peux être sûr que tout sera pareil. Non, mais justement, je ne veux pas que ce soit pareil. Tu as l'air en pleine forme. Je suis épuisé d'avoir trop attendu. Que je remette ma vie en question pour toi. Ah, tu portes la chemise que je t'ai achetée. Tu m'as manqué. C'est quoi cette expression déjà? De trop. Je l'ai vue souvent écrite, avec une photo de moi. Ce ne sont pas les archéologues qui l'ont trouvé. Ce sont des mineurs de fond dans une galerie d'anthracite à 300 mètres de profondeur. Enfouis à 300 mètres sous la surface du sol. Les mineurs n'ont pas vu les runes, ils ont vu les bêtes sculptées. Et ils ont fait venir les chercheurs du coin qui n'avaient aucune idée de ce que ça représentait. Le labo pourrait s'écrouler sur lui, il ne le remarquerait même pas. J'aimerais bien avoir la force de concentration qu'il a. Tu fais toujours de la peinture? Ah oui, 2 années de peinture que je ne pourrais vendre qu'à des amateurs au goût très exceptionnel. Tu es très douée. Tu oui, sais, d'accord. On a tous des moments de crise. Oui, sûrement. La mienne dure depuis avant ma naissance.
Tu sais, je croyais que ces deux années dans le Maine, ça me ferait du bien. Ça n'a pas été le cas. La frustration, c'est supportable. La mienne se promène ici. J'ai l'impression que je vis dans l'espoir que quelque chose se passe. Que j'attends l'inspiration. Que j'attends que mon travail devienne subitement génial. Je crois que j'attends tout simplement que ma vie commence. Les gens qui n'ont ni talent ni imagination ne connaissent pas leur chance. C'est pas de veine pour moi que ton Sam soit un génie lui aussi. Martin. Jolie chemise. Je n'ai encore jamais vu ce genre de lettre nulle part. J'en ai déchiffré une partie. Mais il faudra quand même demander de l'aide ailleurs. Lars Sackstrom est toujours vivant. Il a perdu la tête depuis longtemps. C'est quand même le plus fort pour ce qui est de l'histoire des Nordiques. Pour ce qui est du délire, surtout, oui. Je saurais faire la part du délire et de la réalité. Sackstrom a été très malade. C'est le moment d'aller faire dodo. Tu as sommeil? Pas du tout. Les photos prises sur le site, ça peut peut-être t'aider. Il y a sûrement quelqu'un qui voulait absolument que cette pierre reste sous terre. Où est-ce que vous habitez? Marla a gardé son studio dans le centre. Ah oui, 11e rue, je me souviens. Ah, c'est ça. Est-ce qu'on peut te déposer quelque part, Martin? Non, merci, j'ai ma... Merde, j'ai oublié mes clés au labo. C'est pas grave, on t'attend, vas-y. Dis donc, ça brûle encore. Les étincelles qui enflamment les regards que vous échangez. Toi, il faut que tu te moques de tout, n'est-ce pas? De tout sauf de tes maudits cailloux. C'est vrai. Je ne me moque jamais de mes cailloux. J'ai oublié mes clés. C'est le début de la décrépitude, monsieur Alquist. Moi, j'oublie toujours de fermer la cage de l'oiseau. Ota 44. Ça, c'est fantastique. Tu feras une grosse bise au gamin de la part du vieux Marotta. Je vais lui dire ça tout de suite. Venez, j'écoute. Félicitations, grand-père. Non, Dieu, je savais que ça marcherait, cette saleté de traitement. Non, Dieu. Je me demande ce qu'il fabrique. On s'en fout.
Ici la tour Magnussen, 611 5e rue, 44e. Vite! Vous êtes là depuis longtemps? Environ 10 minutes, pourquoi? Un problème au 44e. Martin. Vous devez rester là. Envoyez-nous quelqu'un. Vous les connaissez? Oh non! Martin! Martin! Putain de bordel, y a personne qui a un peu de bon sens ici, mais remettez ce foutu courant en marche, on se croirait dans une putain de tombe. Commissaire Fanducci, brigade criminelle. À qui ai-je l'honneur? Je suis le docteur Stewart et voici ma femme, madame Stewart. Enchanté, monsieur madame Stewart. Dites-moi ce qui s'est passé. Nous sommes venus ici avec un collègue. Qui s'appelle? Martin Almquist. On est parti ensemble vers 2 heures, il avait oublié ses clés. Il est revenu les chercher et on ne l'a pas revu depuis. Qu'est-ce que vous faisiez ici au milieu de la nuit? Je suis archéologue. J'ai été missionné par la Fondation Magnussen. Nous étions venus pour essayer de déchiffrer des runes sur une pierre trouvée il y a quelques... Qu'est-ce que vous dites là? Déchiffrer quoi? Des runes. C'est une pierre runique. C'est quoi cette putain de pierre runique? Une pierre gravée par les Nordiques, les premiers à avoir exploré le continent américain. Ah bon? Parce que d'après vous, c'était pas les Italiens les premiers? C'est peu probable. Alors? L'arme était un 45 réglementaire. Il a tiré les 6 coups. Certains ont dû être tirés à bout portant parce qu'il y avait du sang et des poils sur tout le canon. Quel putain d'enfoiré a pu résister à ça? Un très gros chien. Ou peut-être un ours échappé du zoo. Je me présente Richardson, commissaire en chef. Docteur Stewart. Enchanté, docteur. Excusez-moi, chef, mais je crois pas qu'un animal aurait pu couper le courant. Ni prendre l'ascenseur jusqu'ici. Il y a des traces de sang qui vont jusqu'au fond du couloir et ensuite ça descend l'escalier. Ce ne sont pas que des petites gouttes, il y en a des litres. Plus bas, il y en a de moins en moins et ensuite elles disparaissent. Il a dû trouver un moyen d'éponger ses blessures. Éponger. Vous trouvez toujours le mot juste, Fanducci. Je crois que je vais aller voir ça de plus près. Je trouverai peut-être des traces de l'éponge. Drôle de putain de caillou, hein? Il y a des amateurs pour ce genre de truc? Vous cherchez un mobile? Très bien.
vous les rendrai, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous allez faire pour retrouver Martin? Je ferai tout ce que je pourrai pour trouver Martin. J'ai un tas de questions à lui poser. Vous pensez tout de même pas qu'il a quelque chose à voir là-dedans, non? Vous êtes sérieuse? On vient de décoller deux mecs de ce putain de carrelage, là. Mes hommes font un puzzle en ce moment avec des morceaux de cadavres. Il manque encore un putain de bras du gardien. Et autant que je sache, votre copain, il est la dernière personne à l'avoir vu vivant. À mon avis, il n'y a aucun mobile. Je vous ai pas demandé votre putain d'avis à vous. Est-ce que vous êtes capable de faire une seule phrase sans dire putain, monsieur Fanducci? Rien qu'une seule. Je peux essayer. Merci. Excusez-moi, vous avez raison. Est-ce que je peux vous offrir un pèse? Non. Non. Ces putains de bonbec, c'est les meilleurs. Jacob, je t'en prie, laisse-le mourir. Oui, une seconde. T'es arrivé? Où est-ce que tu étais? Je suis venu. Je suis venu pour. Je suis venu pour faire le point. Je veux cette peinture. Martin, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je veux que tu sois. Arrête, je t'en supplie. Mais tu me fais mal. Sam! Sam! Martin, mais qu'est-ce que tu fous? Oh! Voilà ce que je fais. Oh! Martin, non, arrête! Non. Martin, arrête, arrête! Je ne crois pas que tu aies fait le bon choix de compter. Je vais laisser ce tableau ici. Comme ça, tu vas pouvoir te souvenir de moi. Tu disais que tu attendais que ta vie commence. Elle commence aujourd'hui. J'ai beaucoup de projets pour toi. Et pour nous deux. On aurait dit qu'il avait passé 3 mois en prison. Il a souri une ou deux fois, mais il avait une expression que je ne lui avais jamais vue avant. Et il y avait autre chose. Quoi? Son manteau s'est ouvert et j'ai vu les blessures. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Revenez un peu sur terre, vous voulez bien? Vous dites qu'Almquist portait les traces de balles du revolver? Oui. Non. On a fait analyser les poils qu'on a trouvés sur le canon. Le labo pense qu'il s'agit d'un chien, mais un très gros. Et alors, qu'est-ce que vous faites de Martin? Ah, je dis pas qu'il y est pour rien, mais je suis sûr qu'il se balade pas avec 6 putains de balles.
Ça m'a échappé encore, putain, excusez-moi. Amelquist s'est pas échappé avec 6 balles dans le buffet. Ces trucs-là, nous, on n'a rien pu en tirer. C'est pas surprenant. Bon alors, vous savez ce que c'est, ça? Et tous ces symboles groupés autour des animaux gravés ont été identifiés. Ça, c'est le symbole du I ou du Y. Ça, c'est le symbole du R. Et donc, ça peut être Skinner ou alors peut-être Freyr ou Fenrir. C'est quoi, Fenrir? Il y a Fanducci ici. Ouais. On vous appelle sur la 2. Fanducci, j'écoute. Mm-hmm. Ouais. J'arrive tout de suite. Wow. D'accord. On a fait faire des moulages des blessures sur les victimes. Greffure et morsure faites par un animal inconnu. Est-ce que vous pouvez me donner d'autres indices? Non, ça dépasse ma spécialité, mais je connais une autre personne qui... Lars Hagström. Ok, vous avez son adresse? Vous savez, ce gars-là, il est à moitié dingue. Il ne voudra certainement pas vous parler. Non, je vais y aller. Oh, oh, oh! Eh non, vous n'allez nulle part, mon joli. Cette piqûre que je viens de vous faire, elle va agir dans à peu près 14 secondes. Je vais y aller, moi. Monsieur Fonducci, je suis sûre qu'il voudra bien me parler. Et je suis sûre que ce qu'il me dira ne vous servira à rien. C'est là qu'il faut se dire qu'il y a sans doute une explication logique. Écoutez, je ne veux pas qu'elle aille se balader là-bas toute seule. Moi non plus. Elle sera accompagnée, vous inquiétez pas. D'accord. Mais tu feras bien attention, hein. Je suis sûre qu'il y a une explication logique. Ça? On m'a donné l'ordre de ne pas vous lâcher une seconde. C'est une idée séduisante, mais Hagström veut que je sois seule. C'est l'appartement 7A. Le bébé de Rosemary habite ici? Et vous venez voir Lars Hagström. Il n'y a pas de Rosemary ici. C'est pas grave. C'est le 7A. Hey, vous lui direz, pas de bébé dans cette maison. Un barjou, ça suffit. Marla Stewart, je vous ai parlé au téléphone. Vous êtes venu voir le vieux gars tout un vrai. Oui. Celui-là, au moins, il est honnête. Tardiligne. Ah, il faut que je mette mon petit ami dans sa niche. Pas attention au désordre. Cette maison a vu des jours meilleurs, mais c'était dans un autre siècle. Les hommes de la garde. Je suis le seul survivant, ils sont tous morts. Oui, presque tous. Qui étaient tous ces hommes? Des hommes qui avaient la connaissance que les petits esprits rejetaient. Et Darjeeling? Selon. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les Norvégiens sont venus ici à peu près 900 ans avant l'arrivée de cet Italien? J'ai eu d'autres soucis. Hein, c'est très simple. Les Norvégiens ont navigué aussi loin de leur pays qu'il leur était possible. Parce que ils avaient un objet dont ils voulaient se débarrasser. La pierre runique? Contredit ma thèse, je dois l'admettre. Vous, bien sûr, vous n'êtes pas croyante. Les athées ne fréquentent pas les tanières.
Mais vous, vous êtes dedans, aujourd'hui. Pierre Runic, c'est l'acteur principal dans le scénario de l'Apocalypse du Nord. Nous ne sommes rien que des figurants. J'ai prévenu, Martin. Mais je crains fort qu'il n'ait déjà été trop tard. C'est vrai que vous êtes fou. Tous les dogmes doivent se révéler un jour. Fenrir. C'est toujours mieux de connaître le diable par son petit nom. Vous aurez besoin d'aide. Il y a un homme, un ami, il s'appelle Franag. Il possède un objet dont vous aurez besoin. Vous ne nous aiderez pas. Je ne serai plus là. Mais il y aura quelqu'un d'autre qui pourra vous aider. Je n'ai jamais eu beaucoup de regrets. Mais j'en ai un. Après avoir attendu toute ma vie, je ne serai plus là pour le voir. C'est la seule chose que j'ai jamais vraiment désirée. C'est un homme? Où est-il? Je crois qu'il se fait appeler Sigvaldsson. J'ai oublié de vous demander. Que faites-vous? De la peinture. Ah. Vous trouvez que c'est un crime? Oh non, pas un crime. Non, une malédiction. Une parmi d'autres. Je reviens dans une minute, Madame Stewart. Aucune bête est assez féroce pour n'éprouver le moindre sursaut de pitié. Il y a un monstre qui me poursuit. Vous croyez que c'est... Et attends, garde-en un peu pour Frisco. Il y a un monstre, il est là. Non, il n'y a plus rien. Si je le vois, il arrive. Hé, Frisco, tu viens? C'est pas trop tôt, mec. Thank you.
j'ai fini ma journée. Démarrez, je vous en supplie, vite! Dépêchez-vous! Alors, ça en fait combien? On en a deux à la fondation. Non, non, il y en avait quatre. Ensuite, il y a eu Ekström, le flic et les deux voyous. Vous oubliez l'ivrogne? J'ai pas oublié l'ivrogne. Enfin, ça en fait 8 en tout. 9 avec l'ivrogne. 9 morts dans les dernières 24 heures. Aïe. Après, je vais me passer les noix au fur et à friser. J'aimerais mieux leur filer les vôtres. Alors, Madame Stewart, vous dites que vous pourriez l'identifier. Vous êtes sûr que ce n'est pas Martin Almquist? Toutes les victimes sont mortes de morsures et ou de coups de griffe. Et les morsures sont imprégnées par de la salive appartenant à on ne sait pas quel animal. Moi, je vais vous dire ce que c'est, Fanducci. C'est un mec en gilet pare-balles déguisé en fauve. Vous devez savoir ce qui se passe dans cette ville à la pleine lune. Ça peut être un enfoiré qui se balade avec des crochets à la place des doigts. Si reconnaître un tueur en série, j'en ai vu assez. La dernière fois, vous disiez que c'était un ours échappé du zoo. Dites-moi alors, selon vous, c'était quoi ce qui vous aurait suivi dans la forêt et qui aurait fait ce massacre? Je ne sais pas ce que c'est, ce qui a tué ces 9 personnes, mais ça n'est pas un malade. Et ça n'est pas un tueur en série. Ça n'est pas un être humain. Croyez-moi, Madame Stewart, c'est un fou, c'est certain, et on l'aura. On va encore tomber sur un flippé qui a mis au LSD ou je sais pas quoi encore et qui a décidé de rendre la justice en ce bon monde. Allez, entrez. Tout va bien. C'est fini maintenant. Ça va? Non. Écoutez, Fanducci, on va perdre combien de temps à fantasmer sur ce que peut être la créature que j'ai vue dans le parc? Et vous pensez jouer le Sherlock Holmes jusqu'à la fin des temps? Mais je suis sûr que vous savez qu'on n'a pas affaire à une bête échappée du zoo, ni au fils de Frankenstein. Alors dites-moi à quoi vous croyez qu'on a affaire? Et puisqu'on en est aux mises au point, j'en profite pour vous rappeler quelques petites règles de base. Si jamais l'un d'entre vous décide d'aller voir qui que ce soit dans les jours qui viennent, je veux en être averti. Et il n'est plus question d'aller se promener dans Central Park après le coucher du soleil. Et Tertio, comment est-ce que je peux vous aider, moi, si vous ne m'aidez pas? Pigé? Ok. Pigé? Très bien. Très bien. Allons-y. Bon, on va commencer par Ekström. À son avis, à lui, on a affaire à quoi? Mais, je vous dis, quoi? Il n'y a pas besoin de vous dire de verrouiller la porte. À triple tour. Et 6 de mes hommes seront postés en bas. Tenez, voilà mon numéro chez moi. Si jamais vous entendez du bruit, un peu de mouche par exemple, appelez-moi. Je commence à apprécier votre style, Fanducci. Pas trop tôt. Thank you.
Fenrir. Nous cherchons Ask Franag. Je suis son petit-fils. Je ne vous connais pas. Nous sommes des amis d'un ami à lui. Lars Akström. Au revoir. Non, je vous en prie, écoutez. Non, je vous en prie, allez-vous-en. Nous avons des questions à lui poser au sujet des hommes de la garde. Oh non. C'est le seul mot que j'espérais ne plus jamais entendre. Il faut qu'il nous parle de Fenrir. Oui, vous connaissez Akström? Non, il a été tué hier. Est-ce que votre grand-père a jamais mentionné un objet ou quelque chose dont on pourrait avoir besoin un jour? S'il parlait que de ça. Et vous savez ce que c'est et où il est? Non. Est-ce que ça vous ennuierait de le demander à votre grand-père? Écoutez, les médecins ne savent même pas si... Excusez-nous. Merci. Je suis désolée. Si jamais il... Je suis désolée. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi ces questions? Il s'est passé des choses que je n'arrive pas à expliquer ni même à comprendre. Durant ces deux derniers jours, bien des choses auxquelles je ne croyais pas sont soudain devenues réalité. Et d'un seul coup, je me retrouve plongée dans un univers que je ne connais pas du tout. Mais Lars Akström et votre grand-père en savaient beaucoup plus que n'importe qui. Et on ne les a pas écoutés. C'est comme tout le reste, Madame Stewart. Tous les ans, ou presque, les goûts changent. L'an dernier, c'était les soupes en boîte. Aujourd'hui, c'est le postmoderne. Et demain, Dieu sait quoi. Mais tout de même, certains courants. Tenez, la Renaissance, par exemple, ça a toujours eu un très gros succès. Les saints, avec leurs stigmates, s'appelaient toujours. Ils ne se démodent jamais. Et la Vierge Marie, dans toutes les écoles et toutes les positions, debout, assise, en lévitation. Il y a toujours des clients pour elle. Comme la plupart des académiques, je fais mon possible pour me singulariser. J'ai passé des années sur un domaine spécifique dont personne d'autre ne s'est jamais soucié. Vous êtes dans une pièce, chère Madame Stewart, dont même M. Christie, M. Sosby, s'enfuirait en hurlant d'horreur. C'est là que nous autres, les inconditionnels, nous conservons nos œuvres religieuses, disons, démodées. Début du VIe siècle, selon nos estimations. Une série de peintures faites par un artiste inconnu. Thor. Exact, oui. Et oui. Fenrir, une créature combattue d'après ce que rapporte le mythe dans des années par le dieu. Tyr. Oh, il a l'air de connaître sa liste de dieux par cœur. Quant à moi, je me suis toujours représenté comme une sorte de bras droit de Thor. C'était le seul qui fut assez brave pour affronter Fenrir. Comment a-t-il été tué? Il n'a pas été tué. Il a été ensorcelé. Partir et sa magie, emprisonné dans une pierre. C'était ce qui tenait traditionnellement lieu de prison pour les contestataires. Est-ce qu'on sait aussi ce qui était supposé arriver pour que cette créature puisse un beau jour se libérer? Ragnarok. Oh, ce groupe est tout à fait surprenant. Et oui, exactement, Ragnarok, c'est une sorte de mini-apocalypse. Et sur l'autre partie de la peinture? Fenrir a voulu se venger quand il s'est aperçu qu'on l'avait dupé. Il n'a pas aimé ça. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Rien, c'est rien.
Pendant que vous visitiez les musées, moi j'ai failli perdre la vue en essayant d'analyser ces photos. Tenez, j'aimerais savoir une chose. Regardez ça, c'est dans cette cavité qu'on a trouvé la pierre, n'est-ce pas? Oui. Et les chercheurs ont dit qu'il y a eu un déplacement de la pierre il y a environ une centaine d'années, c'est ça? Un affaissement dû à une faille, c'est ça? Bon, si vous voulez. En tout cas, si la pierre a bien changé de place, c'est qu'elle est restée beaucoup plus longtemps. Peut-être 1000 ans à une centaine d'années près, dans une autre cavité. Et par conséquent, les anciennes empreintes doivent être... beaucoup plus lisibles que celles qu'on a. Putain, c'est ça. Pardon. Pas de problème. Bon, alors vous êtes quoi, vous? Un flic ou un archéologue? C'est la même chose. Bon, eh ben, on y va. Où ça? À la mine. Non, mais vous croyez quand même pas que je peux me tirer comme ça, moi? Il n'y en a pas question. Vous savez pas la tête qu'il fera, Richardson, si je me tire en Pennsylvanie, voir une mine de charbon? Et voir une, c'est de l'hébreu pour moi, de toute façon. Est-ce que ce ne serait pas une de vos ruses pour nous obliger à quitter New York? Si. Attendez. Je vous l'échange contre la fraise. Oui, la soirée. Où tu vas? Je vais aller faire pleurer le petit. Oui, c'est de l'art, mais j'aime ça ou non? C'est tout de même drôle que les artistes choisissent comme modèle des gens qu'on n'inviterait jamais chez soi. Le problème avec ce genre d'œufs, c'est de les collectionner.
fraises et fabuleux. Chérie, viens, regarde ça. Oh, c'est une scène interactive. Que croyez-vous que l'artiste essaie de nous dire? Le quotidien tue l'amour. Mon Dieu. Oh, ça au moins c'est réaliste. Une ambulance.
Ça va aller. Regardez. Ne bougez surtout pas. Ça raconte des tas de choses que je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as, chérie? Tu as l'air... J'ai l'air bizarre? C'est parce que je me rends compte que j'en sais moins que je croyais. Sur beaucoup de choses. Je ne sais même pas te protéger. Et pourtant, il n'y a rien de plus important. Comment tu disais déjà? Où suis-je quand j'ai besoin de moi? Oui, où suis-je? C'est rien, c'est juste un cauchemar. Oui, Marla, juste un cauchemar. C'est rien. C'est juste un cauchemar. En tout cas, c'est pas de l'italien. C'est un peu confus dans l'ensemble, bien sûr. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est que le dieu Tyr était le seul à pouvoir combattre Fenrir. C'est tout? C'est tout ce que j'ai pu lire. Du plus loin que je me souvienne, même quand je ne savais pas qui ça pouvait être, je faisais toujours ces rêves, ces cauchemars. Pas le genre ordinaire de monstres dont rêvent les enfants, mais des trucs vraiment inimaginables. Et j'ai toujours pensé que c'était à cause des histoires que mon grand-père et mon oncle me racontaient. Et maintenant? Non, ça va vraiment vous paraître complètement loufoque. Rien me paraît plus loufoque maintenant. Selon ce qui est écrit ici, Tyr, un beau jour, doit refaire surface et, avec l'aide d'une personne qui s'appelle Jacomine, combattre feu... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien, seulement que Jacomine est une variante norvégienne de Jacob. Tout ce qui s'est passé depuis une semaine et aussi aujourd'hui, j'en rêve depuis des années, depuis toujours. Mais... c'est comme si une partie du rêve me manquait, une partie dont je ne me souviens pas. Et j'ai cette impression que si je pouvais m'en souvenir, alors tout s'arrangerait. Je suppose que tout le monde fait ce genre de cauchemar. Tout le temps. Je veux que vous alliez dans un endroit sûr. Je descends tout de suite. La voie est libre. Prêt? Oui.
Qu'est-ce que c'est? Sûrement un clodo bourré. Tu veux sans doute dire un sans-abri? Dans les beaux quartiers, ce sont des sans-abri. Mais ici, c'est des clodos, mon vieux. Alors, je vais aller voir quand même. Salut, toi. Qu'est-ce qu'il fout? Reynolds a vu quelque chose. Il est allé voir ce que c'est. Vous avez besoin de renfort? Allez déjà le rejoindre. J'ai rien vu, hein. Vous ne bougez pas d'ici avant que je vous le dise. Restez avec eux. Va dans la chambre à coucher. Cours! Ici Fanducci, j'ai besoin de renforts immédiatement. Je suis au carrefour de la 11e rue et de l'avenue Hudson. Fanducci nous envoie des renforts. Les voilà. C'est marrant, chef. J'en ai rien à foutre qu'il soit marrant. Non, chef. Je m'appelle Marrant. Sortez par derrière! Mais non, il n'y a pas de mort! Sortez par la fenêtre, alors tirez-vous, nom de Dieu!
foutait le camp. T'es un putain d'enfoiré. Dire adieu à votre tirelire. Mais qu'est-ce que c'était, chef? Il s'appelle Fenrir. Et vous, c'est quoi votre nom? Je m'appelle Sigvaldson. Comment vous avez fait pour passer le barrage? Écoutez ce que j'ai à vous dire, je peux vous être utile. Non, merci, Frankenstein, je crois qu'on arrivera à s'en sortir tout seul. Vous avez été très brillant, en effet. Vous avez réussi à éloigner le monstre ce soir. Fenrir devient plus fort tous les jours, il peut s'adapter à n'importe quoi. Il est pratiquement invulnérable. Alors là, j'ai vu pas mal de phénomènes dans ma carrière, mais comme vous, jamais. Écoutez cet homme. Vous, vous savez qui est le monstre. Vous avez réussi à déchiffrer les runes, mais ils ne vous ont pas dit comment renvoyer Fenrir là d'où il vient. Et vous le savez? J'ai eu à résoudre ce genre de problème dans le passé. Un homme nommé Franag a l'objet qu'il me faut. Il est mourant. Il faut le trouver. Qu'est-ce que c'est que ce langage codé, là? Nous nous comprenons. Ah ouais? Alors, vous allez certainement comprendre ceci. Vous allez venir avec moi au poste et raconter tout ça au patron. Mais en clair, cette fois. On y va. Qui c'est ce mec-là? Quoi? Quoi? Pour l'amour du ciel, Fanducci, cessez de vous ficher de moi. C'est pas la première fois que vous me racontez des histoires à dormir debout. Mais là, c'est le bouquet. Ne me dites pas que vous croyez ça. Mais chef, j'ai jamais vu de pingouin malade ni de serpent à sonnette. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Vous savez que je ne suis pas très patient, Fanducci. Alors assez de conneries. Vous voulez un peu de morora, peut-être? Ou bien de la bave de crapaud? Et pourquoi pas une gousse d'ail? Ça, je crois que c'est pour les vampires. Vous l'avez ramassé dans un asile de fous, celui-là? Je regrette, chef, mais je ne crois pas qu'il soit fou. Et cette créature a tué environ... Je sais combien de personnes elle a tué. Je sais aussi que vous deux, vous avez perdu la boule. D'accord. Que voulez-vous? Pas grand-chose. Un peu de sang. Quelques poils de sa fourrure. Et une centaine de vos hommes. La dernière fois qu'on a vu Martin, il a demandé si tu avais fait le bon choix. Sam, tu n'es pas obligé... Si, je veux te le dire. Écoute, je sais que ça n'a pas été comme tu l'avais espéré. Entre nous. Tout le temps. Mais quoi qu'il arrive ce soir, je ne m'en irai pas comme un de ces idiots qui ne sait pas. Dire je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Et je n'ai pas fait le mauvais choix.
y a très longtemps. Cette chose avait pris possession du corps d'un paysan totalement illettré, ce qui limitait son intelligence et son imagination. Je ne pense pas que votre ami soit un illettré ni un paysan. Non, c'est un intellectuel. Dommage. Vous n'avez pas peur? Si, j'ai très peur. Après un certain temps, on oublie tout. Même la peur, si on a de la chance. Vous croyez que Martin avait peur? Le pouvoir de Fenrir est très fort et aussi très tentant. Par quoi a-t-il été tenté? Qu'est-ce qu'on lui a promis? Vous savez ce qu'on lui a promis. Grand-père? Alors ce n'était pas un rêve. Il en a besoin. Si ça n'avait pas été votre ami, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais ça n'a pas été quelqu'un d'autre, ça a été Martin. C'est Martin. Vous auriez préféré que ce soit Sam? Ça n'aurait pas pu être Sam. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Ou vous attire le plus? Est-ce le côté déchaîné et obscur de Martin ou la maîtrise de Sam? Il approche. L'étage en dessous.
Ça valait le coup d'essayer. Attendez, attendez! Il faut retourner chercher Fanucci. Impossible! Rien n'arrêtera cette créature! Ça, ça va l'arrêter! Pardonne-moi, je ne suis pas moi-même aujourd'hui. Martin. C'est fini, Martin. C'est fini.
Tu sais, il y a un dicton à Manhattan, ordure. La mort t'arrive dessus pendant que tu fais d'autres projets. Je vous suggère de ne pas raconter à tous vos amis ce qu'on a vu ici. Ça va? Ouais, ça va. Il faut plus qu'un dieu nordique et un monstre poilu pour me régler mon compte. Mais il y a un problème. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire de ce putain de caillou?